Tu me donnes trop envie de jouer à LoL. Ah ouais? Bah tu vas voir, t'inquiète pas, je vais te donner envie là. Je vais te donner bien envie. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? Il est où le jungler? Ah bah. Je la sens bien cette game, ils sont full AD là. On va se prendre du bon gros Vel'Koz, Xerath ou Nico. Alors déjà Nico contre Zilean, c'est vraiment pas ouf. Jinx, Zilean, si faible comme laning phase contre Draven et... Ah, je pourrais même go Nico, hein. Ah, quoique Nico contre Jinx, Zilean, je me fais à outrange. Hein. Ouais, là je vais go Vel'Koz. Hein. Oh, j'ai pas Vel'Koz, le con. Bon bah go Xerath je suppose. Voyons voir ce que ça donne. J'aurais dû commencer W en vrai. Pour le easy stack. Et la comète. Ah, elle est déjà dans la sauce celle-là. Ouais, elle a déjà perdu sa lane elle. Ok, ils sont pas cons. Agressif comme j'aime. Nice. On risque de faire giga camp par le Nunu. Faudra faire super attention. Je vais me prendre la truc. Allez, dernier. Ça va. Dommage pour le first blood, mais bon, c'est pas. Il risque de revenir le nu, je fais gaffe. Ok, perdu le canon. Il doit plus être sur la laine, Nunu doit être là. On va faire attention. Regardez. Darius normal. Nice. Petite wave là, tranquille, c'est cool. Allô? Attends là je suis obligé de démute parce qu'il s'est passé un truc là. Elle en a eu marre de se faire zoner. Quoi? Ah parce que Zilean a quitté la lane comme ça, ok. Non c'était clairement du tilt parce qu'elle a continué à farmer. Je pense que là elle est en train d'insulter le Zilean. Et le Zilean l'a dû réinsulter au retour. Que je viens de rater. J'ai raté tous mes sorts, je voulais me retourner sur les Zilean. Oh les bouts. Tellement mal joué. Le fait d'avoir tout raté sur Zilean. En fait Zilean il faudra absolument que j'évite d'essayer de le toucher en fait. Vu qu'il va aller super vite avec son E.
Mais j'ai laissé mon Draven solo, du coup je suis un peu dégoûté. Je joue bien le Draven. Je sais pas s'ils m'ont insulté. Tu sais quoi, je vais pas mute cette game en vrai. C'est trop bizarre, tu vois. Quand... Je suis désolé, comment tu peux mute-all? Comment tu peux mute-all une game où il se passe des trucs comme ça en fait? C'est pas giga fort, c'est fort contre Zilean. Mais la moindre Leona, Nautilus, des trucs comme ça, je me fais mais déchirer la gueule en fait. Si elle a... En fait. Il y a vraiment juste des trucs comme Zilean où c'est bien en laning phase. Et encore, c'est parce que j'ai un Draven et il y a une Jinx. Ils ont une très faible laning phase en fait là. Elle est turbo tilt. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oh. On freeze la lane, le mec est en mode. C'est trop genre. C'est n'importe quoi. Il y a Nunu qui va peut-être revenir. Je vais essayer de le provoquer, je sais pas. Ok, elle essaie de pré-shot, cool. Donc là, elle a DC RH. Ok. J'ai fait 3 games en une semaine. Donc la première, rush kit de mon jungler. La deuxième game, je pense que mon jungler trollait. Genre 4-17, ça me paraît bizarre en vrai. Et là la troisième, c'est l'ADC en face qui turbo tilt et qui int. Je comprends rien au jeu genre. Et d'ailleurs je suis... En fait c'est chaud de mutol parce que là tu vois la Kina qui me ping en mode barre-toi et laisse-moi l'XP. Alors que je suis là plus pour l'aider en 1v2, 1v3 tu vois. Moi ça me semble logique de rester mid, surtout avec l'ultime de Zilean, de Xerath. Comme vous pouvez voir, la game ne m'intéresse pas trop. Ouais, je vais sur World of Warcraft en vrai. Hein. C'est trop bizarre cette ambiance. Elle est pesante, elle est malsaine. Genre, c'est. Parce que, en fait, même si tu mute all. En fait, le mute all, c'est comme si tu mettais tout ton linge sale sous ton lit en fait. Bah, c'est sûr, tu le vois plus. Mais ça sent quand même la merde. Ouais, je te parle de linge sale, vraiment bien dégueulasse, sale quoi. Bah League of Legends c'est pareil avec le mutol genre. Je sais pas, y a une couille dans le jeu là. Bah alors l'idéal c'est pas de se connecter au jeu. J'avoue que... Je sais pas, y a... En vrai, League of Legends... Tu pourrais faire des études psychologiques de fou dans ce jeu j'ai l'impression. Genre imagine t'es dans l'équipe en face et t'as botlane troll. Int. Genre ce Darius là. Tu crois que le Darius là il va pas péter un câble? En plus Darius... C'est un personnage de... C'est un personnage d'ego en fait. Parce que tu veux un V9, et si tu perds la game, bah tu vas péter un câble et tout, enfin bref. Je sais pas. C'est pour ça qu'il y a des champions qui rush kit beaucoup plus que d'autres. Oh là, j'ai rien touché. Mais genre, tu te rends compte que là... Des fois on est content que d'autres personnes passent une mauvaise game en fait. Tu vois c'est... Il y a un côté malsain je trouve dans League of Legends. Genre des fois tu tapes des barres de rire parce que t'es en mode ah trop drôle. Le mec en face il est tilt, lol, il int. Et en fait il est en train de niquer la game de 4 autres. Et je pense pas que le mec qui int passe la meilleure partie de sa vie genre. À un moment en tout cas très intéressant dans sa vie. Je sais pas, il y a un truc qui marche pas dans LOL. Je vous mets la fin en dézoomé, c'est gratuit, ça fait plaisir. Bon. Je sais pas quoi dire en fait.
Eh bien en fait si, je sais justement quoi vous dire. Je vous propose aujourd'hui pour notre sponsor officiel depuis des mois, Instant Gaming, qui est un site où vous allez pouvoir acheter vos jeux les moins chers sur le marché tout simplement, même s'ils sont récents ou non. Il y a par exemple It Takes Two qui vient de sortir et qui est déjà à moins 25%. Donc si t'as envie de fraîcheur et de changer de jeu de League of Legends par exemple, je te propose évidemment ce site où j'ai déjà économisé plus de 400€. Mais ce n'est pas tout, le site vous propose aussi un giveaway où vous allez pouvoir choisir un jeu de votre choix. Là j'ai mis It Takes Two mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être évidemment le cyberpunk. Bref, il y a plein de choses et je suis sûr que tu vas trouver ton bonheur sur le site. Tous les liens sont dans la description en bas et dans les commentaires pour les giveaways et les jeux. Donc je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt, ciao.